Annual examinations for secondary schools 2023. Year 9, first year. French, listening. Première partie. Vous avez quelques minutes pour regarder la grille. Vous allez entendre des dialogues. Vous devez associer les jours avec les plats. Vous pouvez remplir la grille pendant cette première lecture. Après une petite pause, il y aura une deuxième lecture. À la fin, vous aurez quelques minutes pour faire une révision finale. Maintenant, regardez la grille. Première écoute. Zéro, lundi. Après le week-end, je n'ai plus d'idées pour le déjeuner. Fais des crêpes. Les enfants les aiment. Un, mardi. Maman, ce soir, je rentre tard. Bon alors, réchauffe les poulets. Deux, mercredi. Papa, mon ami vient à la maison ce soir. Pas de problème, il y a deux pizzas dans le frigo. Trois, jeudi. Je peux avoir des frites aujourd'hui? Non, ce n'est pas sain. Aujourd'hui, on mange des pâtes. Quatre, vendredi. Oh non, on mange du bœuf pour le dîner? Non, je prépare une tarte au fromage. Cinq, samedi. Aujourd'hui, je prépare le plat favori de maman, du poisson avec des légumes. Maintenant, vous pouvez compléter la grille. Deuxième écoute. Zéro, lundi. Après le week-end, je n'ai plus d'idées pour le déjeuner.
Fais des crêpes. Les enfants les aiment. Un mardi. Maman, ce soir, je rentre tard. Bon alors, réchauffe les poulets. Deux mercredi. Papa, mon ami vient à la maison ce soir. Pas de problème. Il y a deux pizzas dans le frigo. Trois jeudi. Je peux avoir des frites aujourd'hui? Non, ce n'est pas sain. Aujourd'hui, on mange des pâtes. Quatre vendredi. Oh non, on mange du bœuf pour le dîner? Non, je prépare une tarte au fromage. Cinq samedi. Aujourd'hui, je prépare le plat favori de maman, du poisson avec des légumes. Maintenant, vous pouvez faire une révision finale. Deuxième partie. Vous avez quelques minutes pour regarder les questions. Vous allez entendre un dialogue entre Sandrine et Mathieu. Vous pouvez répondre aux questions pendant cette première lecture. Après une petite pause, il y aura une deuxième lecture. À la fin, vous aurez quelques minutes pour faire une révision finale. Maintenant, regardez les questions. Première écoute. Ça se sent bon. Qu'est-ce que tu prépares? Une soupe aux légumes. Qu'est-ce que tu mets dans ta soupe? Attends. Une pomme de terre, une carotte, une tomate et un petit oignon. Et c'est tout? J'ajoute aussi du sel et du poivre. Et qu'est-ce que tu vas manger avec la soupe? Un yaourt. Je veux rester en forme.
Tu veux manger avec moi? Il y en a assez pour deux. Oh oui, merci. C'est très sympa. Si tu veux, tu peux prendre une tartine après. Il y a du jambon et du fromage dans le frigo. Après le déjeuner, on peut continuer les devoirs ensemble. Oui, très bonne idée. Nous avons un devoir de maths pour jeudi et un test de géographie vendredi. Tu peux m'aider dans le devoir de maths? Tu es très fort. Oui, mais je suis nul en anglais. Et alors mangeons. Bon appétit. Maintenant, vous avez 2 minutes pour répondre aux questions. Deuxième écoute. Ça se sent bon. Qu'est-ce que tu prépares? Une soupe aux légumes. Qu'est-ce que tu mets dans ta soupe? Attends. Une pomme de terre, une carotte, une tomate et un petit oignon. Et c'est tout? J'ajoute aussi du sel et du poivre. Et qu'est-ce que tu vas manger avec la soupe? Un yaourt. Je veux rester en forme. Tu veux manger avec moi? Il y en a assez pour deux. Oh oui, merci. C'est très sympa. Si tu veux, tu peux prendre une tartine après. Il y a du jambon et du fromage dans le frigo. Après le déjeuner, on peut continuer les devoirs ensemble. Oui, très bonne idée. Nous avons un devoir de maths pour jeudi et un test de géographie vendredi. Tu peux m'aider dans le devoir de maths? Tu es très fort. Oui, mais je suis nul en anglais. Et alors mangeons. Bon appétit. Maintenant, vous pouvez faire une révision finale.
Troisième partie. Vous avez quelques minutes pour regarder les questions. Vous allez entendre des adolescents qui parlent de leur loisir. Vous pouvez répondre aux questions pendant cette première lecture. Après une petite pause, il y aura une deuxième lecture. À la fin, vous aurez quelques minutes pour faire une révision finale. Maintenant, regardez les questions. Première écoute. Bonjour, chers auditeurs, et bienvenue à notre émission « Salut les jeunes ». Aujourd'hui, il y a Didier et Camille avec nous, des ados qui habitent à Marseille. Ils vont nous parler de leurs loisirs. Bonjour, je m'appelle Didier et j'ai 13 ans. Je suis Marseillais. J'aime le sport d'équipe et je suis très sportif. Je joue au foot 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi soir. Samedi matin, de 9h à 11h, je joue au volley avec l'équipe de mon collège. Je suis fan aussi des jeux vidéo. Je passe le dimanche à jouer à FIFA avec mes cousins. Salut, moi c'est Camille. J'ai 15 ans. Je suis une personne très créative. J'ai fait du dessin. J'ai des cours de dessin le mardi après-midi. Mon professeur de dessin est très strict. Le week-end, je préfère lire un bon livre. J'adore les livres d'aventure. J'ai une grande collection de livres dans ma chambre. Je préfère lire en français, mais j'ai aussi des livres en anglais. J'aime aussi aller au théâtre et voyager en été. Maintenant, vous avez 2 minutes pour répondre aux questions.
Deuxième écoute. Bonjour, chers auditeurs, et bienvenue à notre émission « Salut les jeunes ». Aujourd'hui, il y a Didier et Camille avec nous, des ados qui habitent à Marseille. Ils vont nous parler de leurs loisirs. Bonjour, je m'appelle Didier et j'ai 13 ans. Je suis Marseillais. J'aime le sport d'équipe et je suis très sportif. Je joue au foot 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi soir. Samedi matin, de 9h à 11h, je joue au volley avec l'équipe de mon collège. Je suis fan aussi des jeux vidéo. Je passe le dimanche à jouer à FIFA avec mes cousins. Salut, moi c'est Camille. J'ai 15 ans. Je suis une personne très créative. J'ai fait du dessin. J'ai des cours de dessin le mardi après-midi. Mon professeur de dessin est très strict. Le week-end, je préfère lire un bon livre. J'adore les livres d'aventure. J'ai une grande collection de livres dans ma chambre. Je préfère lire en français, mais j'ai aussi des livres en anglais. J'aime aussi aller au théâtre et voyager en été. Maintenant, vous pouvez faire une révision finale. This is the end of the examination.